Autre cadre, autre contexte, après le coaching et le massage, quoi de mieux qu'un petit dîner en amoureux pour se retrouver à deux? Mais attention, Laure et Alexis ont choisi un cours de cuisine pas comme les autres, ils vont apprendre à réaliser un menu aphrodisiaque. On va faire ensemble un petit cours de cuisine alors, aphrodisiaque, ça vous tente? Ouais, super. Moi aussi. Chorère donne des cours de cuisine à domicile. Formée auprès des plus grands chefs, elle accueille aujourd'hui ce couple chez elle pour une leçon de cuisine un peu particulière. Au menu, des crevettes au lait de coco, au gingembre, à la citronnelle, au curry. Ensuite, on va faire un moelleux au chocolat avec un petit soupçon de gingembre et de cannelle à l'intérieur. Et comme ça, on aura tous les produits aphrodisiaques, c'est-à-dire du gingembre, de la coriandre, le curry. Ce qu'on attend de la cuisine aphrodisiaque, c'est changer un peu de rythme dans notre cuisine de tous les jours, de connaître un peu d'autres choses, d'autres produits. Et puis en plus, côté aphrodisiaque, c'est très... C'est entraînant. C'est entraînant, c'est excitant, ça emmène ailleurs. C'est une motivation supplémentaire pour passer un petit peu de temps à partager quelque chose ensemble. Et c'est parti pour une heure de cuisine à deux. Des poivrons, du gingembre, de la coriandre, du lait de coco et des crevettes. Pour Laure et Alexis, c'est la recette du bonheur. Et pendant que le plat mijote, place à la préparation du dessert, un moelleux au chocolat aux vertus aphrodisiaques. Pour Alexis, c'est la découverte. Bon, d'abord que les filles allaient prendre toujours du chocolat, mais maintenant je sais pourquoi. Honnêtement, j'aurais jamais pensé à mettre du gingembre dans un gâteau au chocolat. Non. J'aurais pensé à mettre des amandes, des oranges, n'importe quoi, mais du gingembre, très spontanément. Après quelques minutes de cuisson, le menu est fin prêt, reste à le déguster. C'est bon, hein ? Vraiment. Très bon. Aphrodisiaque ou non, l'histoire ne le dit pas, mais Laure et Alexis auront partagé un moment à deux pour 120 euros. Un soupçon de détente, quelques gouttes de complicité, la meilleure des recettes pour un couple en bonne santé.